Promesse tenue pour Michael Jackson. Le 3 avril 1998, le célèbre roi de la pop devenait papa pour la deuxième fois d'une petite Paris, née de son mariage avec Debra Rowe, un peu plus d'un an après un premier enfant, Michael Joseph Jr., dit Prince. Tandis que ce dernier a développé plusieurs projets en Californie, la jeune femme elle, aujourd'hui âgée de 23 ans, se consacre pleinement à la musique, dans un genre bien différent de celui de son père, se produisant dans des salles plus intimistes pour être plus proche de ses fans. Toutefois loin de renier son nom de famille très célèbre, Paris Jackson est même du genre à le revendiquer, elle qui a notamment révélé la véritable signification son prénom avait pour son regretté père. Mon père appréciait beaucoup l'art. Il était ami avec Cathy Hilton et ils avaient décidé tous les deux d'appeler leur fille Paris, a ainsi confié la jeune chanteuse dans les colonnes du Parisien, en kiosque jeudi 7 octobre, elle qui durant son enfance est venue plusieurs fois dans la capitale française avec Michael Jackson. Un lien étonnant avec cette ville où elle ne vient généralement que pour la Fashion Week, mais aussi, un lien avec une autre célèbre Paris, à savoir Paris Hilton. Car Cathy Hilton n'est autre que la mère de la célébrité, riche héritière et redoutable femme d'affaires. Promesse tenue visiblement pour les deux amis, et ce tandis que leurs deux filles ont plus de 10 ans d'écart. Paris Hilton et Paris Jackson sont-elles proches? Si leurs prénoms les rapprochent, il se trouve que Paris Jackson et Paris Hilton ont bien plus en commun que ce détail, ainsi que l'amitié qu'ont entretenu leurs parents durant plusieurs années. En effet, dans un entretien avec Cathy Hilton, la fille de Michael Jackson avait confié avoir vécu une expérience similaire à celle de la femme d'affaires, confiant au passage son admiration pour elle. Je l'adore. J'admire sa force. Elle est incroyablement intelligente, incroyablement drôle. Point, nous avons beaucoup d'expériences similaires, avait-elle confié, notamment en ce qui concerne son passage dans un établissement scolaire, où elle a elle aussi été victime de violences. J'ai vécu des expériences très, très similaires avec ce genre d'endroit pour adolescents. Elle a vécu beaucoup de choses et si est-il incroyable de la voir sortir saine sortir. Si est-il un diamant, avait-elle précisé.